second tour comme le premier ne veut finalement pas dire grand-chose, sauf un désintérêt, un ras-le-bol de 25 ans de gaudinisme qui s'est effondré, sans faire de jeu de mots, mais qui s'est effondré à la manière, et c'est ce qui a sans doute marqué les esprits à Marseille, à la manière de ces immeubles à la rue d'Aubagne. Un événement tragique qui a sonné le glas de 25 ans de système Gaudin et qui a emporté avec lui ses héritiers et son héritière, évidemment, qui est Martine Vassal, qui est celle qui a finalement, je crois, le plus perdu dans cette campagne, puisqu'elle était donnée gagnante, j'exagère à peine, en disant dès le premier tour.